qui voyageait, qui entrait là. C'est tout un. Depuis l'âme là, peut-être ça a environ deux heures de temps. Eh bien, nous sommes capables de pour quantité de monde qui rentrait, et que ce soit ces Dominicains qui rentrent, venir la famille ou bien étrangers, qui viennent visiter, moi, regarder dans le tableau des dominants là, il y a au moins 10 vols. Et avions qui sont soit aux États-Unis ou bien encore en côté, dans l'Amérique latine et même en Europe. Donc c'est pour nous dire qu'il y a une activité ici. Alors nous même ça qui mène nous là, c'est justement gagner, et bien on ne peut pas courir, non, mais gagner une possibilité que l'aéroport ça, c'est des capables d'un côté que les autorités américaines étaient capables d'évacuer Américains qui fait demande et qui voulait quitter Haïti pour retourner la caillou à cause de raison sécurité. Donc c'est à Bayoun d'un côté qui est capable côté un hélicoptère éventuellement devant si gain avion tout ça capable venir là. D'après ça qui dit et d'après ça nouvelle que nous connaît au moins jeudi à il doit gagner deux avions qui t'ont transporté monde pour venir déposer ici et puis après pour yo et continuer le voyage là. Mais bon, jusqu'à présent, accès en dedans l'aéroport vraiment difficile, malgré que nous insistons, malgré que nous sommes demandés, mais pour des raisons de sécurité, en dedans l'aéroport, c'est supposé que monde qui a voyagé. Mais tout, et nous, comme social, nous avons une salle, et salle d'arrivée. Hein? Donc c'est ça fait nous garder là, nous avons pile passé qui a passé là. Donc nous dans la salle d'arrivée à côté, nous espérons que quelqu'un travaille réussi ouais, un groupe haïtien ou bien un groupe américain ou bien un groupe étranger qui a vu dans le pays d'Haïti. Cependant, pour participer dans l'évacuation, ça, parmi les demandes que l'autorité américaine fait, d'abord, il faut inscrire, faut faire demande là. Et deuxièmement, en plus de demande là, il faut qu'on soit capable de vivre côté évacuation à fait là. Côté que l'autorité a attendu. Donc, parce que il n'y a pas de chercher chaque monde à caillou, il y a mené au vini. Deuxième bail là, il faut qu'on ait un document valide. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un passeport qui est valable. Et à partir du passeport ça qui est valable là, eh bien, le ça, au capable, sous liste là, et là, tout pour arriver, eh bien, il faut qu'on ait, mais qui côté à rencontrer avant, mais qui côté nous aller. Pour yon menon dans le pays. Et puis, il y a une autre information qui est à côté, c'est que voilà, il n'y a pas gratis contrairement avec ça, tout le monde a pensé. Il n'y a pas vraiment facile parce que, vous pouvez aller, même si vous n'avez pas encore menon. Donc, l'arrivée, la caillou, bien dans le pays, et bien, l'arrivée là, c'est là où vous pouvez aller pour payer frais que le voyage a coûté. Parce que c'est divisé par le nombre de passagers qui étaient à bord là, ou bien est-ce qu'il y a un frais qui fixe pour faire. De toute façon, l'opération a continué et la situation dans le pays d'Haïti a pour gagner aucun signe qui montrait par le gain pour aller améliorer et dans le jour qui a venu là, était certainement pas grand dit. D'abord, pour ça qui concerne le conseil présidentiel et provisoire là, bon. Carotte la presque cuite, donc on s'est la presque fini et mettez sous pied. Il y a des commentaires qui ont fait, par exemple, ça me considère comme une courbe que l'idée petite de ça a cassé, parce que lui-même il était voyagé des conseils là dans la poubelle. Eh bien, sans personne ne pas comprendre, eh bien, ancien sénateur et Nola, eh bien, sénateur Maurice Jean-Charles, eh bien, lui-même, il casse la courbe. Et de retourner et de désirer un représentant dans le conseil. Il y a des gens qui disent bon, eh bien, la coalition que l'ancien sénateur a fait partie là dans le Guy Philippe, eh bien, la coalition ça a tout tombé. Tout. Parce que très certainement, la coalition n'est pas d'accord tout, avec les questions et conseil là. Ils ont même utilisé un conseil de 3 membres, eh bien, la coalition n'est pas d'accord. Donc ça veut dire que quoi sur ça a tout crasé, tout crasé tout. Mais nous attendons des interventions que militants ont fait sur ça
je dis retrait au monde pas les dire que coalition la crise. Donc son dossier qui est toujours à pied de main. Alors on vient sur le dossier République dominicaine d'abord. Nous Santo Domingo actuellement et côté nous est là, nous avons un aéroport international Las Américas là. Et c'est un deux aéroports qui gagnent en Santo Domingo. L'autre là c'est un aéroport plus ou moins régional. Qui se va voir régional, c'est lui qui est l'aéroport Isabella ou bien encore l'aéroport Joaquim Balaguer. Donc, ici de là, nous rencontrons avec la communauté haïtienne. Non? Et justement, nous cherchons qu'on est qui vient eux-mêmes, ils ont eu crise là. Et qui ont eux-mêmes, et qui ont une crise là, ils ont affecté. Nous gagnons un pasteur, c'est pasteur Lionel, que nous rencontrons, que nous chitons par la velle. Et bien, bon, lui-même, il dit nous. Et l'ici avocat, et en même temps, tout l'abdigé de l'église. Eh bien, il dit lui-même, étant donné qu'il y a tel, il y a cet qui est purement haïtien, eh bien, l'obligé de faire un business, il est gagné. L'église là, tout, pas marché tout, parce que fidèle, pour plus fort haïtien, eh bien, il y a paix, pour ne pas prendre la rue, pour autorité immigration par arrêter. Et ça, il fait qu'on est tout, il dit que c'est pas seulement immigration qui a marché des. Les gens qui viennent dans le pays illégal, ou bien sans papier, ou bien sans document légal. Mais il y a l'autre monde tout, et l'autre entité, ou bien l'autre agence, tant que militaire, la police, il y a plusieurs autres agences sur le même tout, qui travaillent et qui marchent et fouillent, cherchent, dénichent haïtiens pour prendre pour retourner. Pour ça, concerne la crise là, parce que afin de connaître que bon, et c'est un bail que tout le monde a de prévoir. Pas que tout le monde a de prendre surprise parce que c'est façon de société nous en bâti à faire ça. Parce que nous n'avons pas de dirigeants, ou bien des dirigeants qui n'ont pas fait ça que nous avons fait pour te permettre que les Haïtiens vivent une façon de disparité qui gagne entre et la population, tu as capable de partir responsable. On t'a parlé tout avec ancien ministre et haïtien qui a vu à l'étranger et d'une paraison qui lui-même c'est un membre ou un dirigeant et fondation Zile qui sont un groupe dans ce des civils là qui lui-même a défend intérêt communauté haïtienne. Lui-même tourne en Bali, il dit que il dit apprendre les deux par exemple. Si M. Negame arrive à contrôler le pays, ou bien nous prenons avec le conseil présidentiel là, ben, avec les deux, mettez tous les deux en face, il préférait choisir le conseil présidentiel là. Il dit même si le conseil présidentiel là n'est pas idéal pour résoudre la crise du pays d'Haïti, mais à comparer avec Negame même qui attaquait tout le monde, eh ben, il a préféré prendre. Et conseil présidentiel là. C'est vrai que nous connaissons que le présidentiel là n'a pas rempli toutes conditions. Le conseil présidentiel n'a pas vraiment le monde qui l'a dans le par contre, sous qui critère que choisi. Et il n'est pas habillé tout pour le fait que la diaspora, une autre fois encore, n'est pas représenté dans ce qu'a fait dans le pays. Et on a dit, mais malgré tout ça, mais eux-mêmes, ils ont déjà, à la Fondation Zile, ou bien encore sur des civils haïtiens qui sont dans Santo Domingo, qui sont en République dominicaine. Eh bien, eux-mêmes, ils ont payé le travail pour organiser la semaine de la diaspora, une semaine qui a déroulé dans le mois d'avril. Là. Et le thème sommaire, ou le thème semaine de la diaspora, c'est nous-mêmes avec la République dominicaine, on nous mettait ensemble pour améliorer les relations entre deux pays. Bel thème, bah ouais. Eh bien, c'est ça. Mais ils disent que normalement, la crise a affecté eux. Il est affecté parce qu'il dit chaque matin et chaque jour levé, il est obligé de faire nouvelle pour connaître ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Et même les que bon, ici, il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas insécurité vraiment, mais ça fait mal pour les peuples haïtiens eux-mêmes qui en Haïti, qui ne peuvent pas déplacer et qui vivent dans une situation mal ou ça. Pour ça, concerne l'immigration, deux responsables qui sont dans ce pays civil là, et bien eux-mêmes, ils ont simplement dit bon, il y a des questions qui sont très difficiles. Et que tu espérais que l'autorité dominicaine t'a fait un ralenti sous déportation, mais ça va pas fait. Et nous t'ai constaté ça sous frontière même, dans la zone d'Arabon,
quand on t'a rencontré, t'es ouais même déplacement bien immigration qu'a fait comment et machine service immigration qu'a déporté mon mener venir sur frontière déposer aux autorités haïtiennes et nous t'es tous des haïtiens qui eux-mêmes volontairement t'es décidé retourner la caille. Tu t'es décidé retourner parce que dit il pas qu'à prendre pression que autorité dominicaine a mis des sous, il va pas sauter dans la rue, il va pas marcher, il y a tout le monde qui a sauté. Donc tout ça a été balancé de problèmes qui préféraient que ils retournent la caille volontairement. Mais pour ça, concernant les crises, en fait, deux dirigeants, ou bien des responsables nationaux civils haïtiens en République dominicaine, eh bien, ils disent que la situation est capable d'améliorer, mais ils croient qu'il faut que l'autorité haïtienne tout fasse un série de bagages, c'est-à-dire qu'ils franchissent une série d'étapes. Pour permettre que les Haïtiens aient été la caillou et au lieu que pour y venir en République dominicaine. Mais et pour ça, ils vont rejeter tout. Et l'idée qu'ils veulent faire comprendre que les Haïtiens viennent là, c'est sous d'autres autorités dominicaines, ils viennent ça, ils sont proies et pour autorités dominicaines. Ils disent sont faux et déclarations, mais sont faux commentaires que les, ou bien sont façon mal pensée, parce que les Haïtiens qui viennent en République dominicaine, ils ne sont pas venus chercher, mais ils viennent travailler. Vin travail. Donc si autorité dominicaine voulait avoir une chance, qui de travail et il y a pour qui contribution que Haïtien a apporté dans le développement et économie. En parlant de ça, on a dit que, et par exemple, je suis moins, je dis que par exemple, l'industrie touristique dominicaine, dans le pays qui l'a donné, qui a apporté collé là-dedans. L'industrie construction dominicaine et construction caille, etc. Et bien, dans le pays qui a travaillé tout là-dedans. Et pour ça concerne les fermiers, dans le secteur agricole, là, grand pile haïtien qui travaille là-dedans. Donc je dis que si haïtien allait, eh bien, il y a un problème, mais je dis que haïtien, ça a tout, il y a tout posé question pour ça. Il était capable même pas aller à la caille, mais il suffit que l'autorité haïtienne encadre, et bien, tout ça a besoin pour permettre que vous fassiez travailler ça et vous pouvez coller avec haïtien. Donc, comme on dit, nous, là, on plante des piquettes là-bas, dans l'aéroport là, avec 100. Sans pas connaître, pas dire non. Et information que je gagne, que je viens de connaître, que Tadoui gagne, et deux vols privés, parce que vol privé n'est pas affiché derrière le domaine là. Non, pas nous, nous, derrière le domaine, c'est vol commercial qui a. Donc, si il y a un vol privé, il n'est pas affiché là. Donc, il était difficile pour nous connaître exactement, mais nous demander, nous dit que nous ne connaissons pas, mais seulement. Je fais connaître, il est très probable capable bien, mais qui l'a fait? Est-ce que c'est au cours de l'après-midi, déjà nous dans l'après-midi déjà, ou bien est-ce que la fête on l'autre jour nous va connaître? Mais nous là, s'il tombe là, si pendant nous là-bas, elle a tombé là, n'a pas partagé d'abord. Et n'a pas connaître qui ça nous joigne, mais n'a pas patience pour nous être là pour nous être capable. Ouais, ça va passer. Même capable dire que vraiment, et au point de vue et activité, vraiment, et Dominicaine est avancé. Et une garde de grand pile dominicain qui est entré là et qui était sept membres de la famille. Bon, les policiers continuent à avoir un problème là, parce que remarquez moi direct là, donc monsieur attendez. Et on est. C'est sécurité, je ne vais pas qu'il y ait un non mes amis. Monsieur Campé, bon côté, là, il y a fait un signe. Donc, eh bien, je vais aller, je vais venir encore la négoire ici, papa. Et bon ça, je vais aider, je vais venir faire ça. Eh bien, je vais passer un bon après-midi. Si Darabon, nous descendons Santiago. Parce que Santiago de los Caballeros, c'est là basiquement nous sommes basés. Et puis, chaque jour, nous faisons. Chaque jour, pendant deux jours, nous conduisons trois heures de temps, nous allons sur la frontière, côté de rencontrer avec la communauté, leader communauté haïtienne. Nous rencontrons avec Haïtien tout, qui a quitté le territoire dominicain, que ce soit si forcé, que ce soit si volontaire. Donc nous rencontrer avec tout le monde ça. Donc vous dites oui, autant de moi. Donc nous rencontrer avec Haïtien ça, qui soit choisi volontairement ou bien encore immigration mettez dehors. Mais c'était difficile pour le monde qui a mis dehors par la force pour ne pas là avec eux parce que bon, quelle que soit la raison, il n'est pas facile. Nous avons constaté tout, et frontière là qui est frontière là, mais la sécurité qui a augmenté. Et côté soldats dominicains, présent soldats dominicains très prononcé, au PACA, au PAPA, ça et puis il y a d'autres unités qui sont civiles, qui l'a tout et qui ont voyagé tout. Nous avons un consulat haïtien dans Darabon, mais le consulat haïtien, pratiquement, nous n'avons pas de chance de visiter, mais nous avons rencontré avec un agent consulaire
qui était présent sur frontière lui-même, qui était présent dans la zone là, et justement pour observer et passage haïtien yo, donc pour pas te faire abus, mais ça va empêcher que force dominicaine yo, que les 6 fronts qui sont unités frontalières qui sont et cap garantie sécurité sur frontière ben yo même yo présent et yo même c'est yo qui pratiquement là monde absouti yo fouiller. Et là, fouiller mon nom, il assure que bon, que mon n'a pas transporté soutien en République dominicaine et bah qui interdit tant que armes, munitions. Moi, j'étais pas c'est pas ton, qui possible. Bon, gagné un agent consulaire que me parle avec là, ben il dit oui. Ou a saisi pour qu'on ait pour ouais que gagné mon cap sorti là et qui sorti avec et qui gagne des armes dans valise, qui gagne balles dans valise, munitions dans valise. Et que au t'avance sur la carte ouais monte ça son valise qui dans ses voyages lié au qui est passé et puis on découvre envie de bail nous t'ai ouais tout activité commerciale là tout il y a une activité commerciale qui pas officielle mais qui a déroulé quand même tant que par exemple gros camion qui a porté marchandises sorti en République dominicaine pour aller en Haïti qui bon en Haïti nous pas connaît si c'est dans le nord ou si c'est dans le nord-est mais ça son sorte d'arrangement ou bien on entente qui jouent entre responsables, donc commerçants haïtiens ont même placé commande et produits au besoin, enfin au ciment, comme je disais, avec un de gros camion qui couvrit, qui n'a pas 50 dans eux, mais ils ont dit que là-dedans, c'est produits pour la nécessité, ça qu'ils ont besoin. Donc, nous avons constaté ça tout, mais son commerce qui a fait de façon qui est légale, et que là, on a venu, mais c'est seulement un chauffeur, pas un passage encore. C'est le chauffeur seulement qui gagne autorisation pour aller chercher les marchandises là et tourner avec elle tourner avec elle dans le pays d'Haïti. Seulement le chauffeur seulement qui est autorisé. Donc le chauffeur a pratiquement là dans toute zone Sibawa, net, jusqu'au côté quel droit côté qui a marchandise pour aller chercher, De là étant, nous t'es rencontré tout et nous t'es que Haïtiens ont campé sur la frontière et passé par tout le monde qui était rentré. Jou marché a pas de problème pour mon entrée, mais depuis c'est pas jou marché et mesure beaucoup plus accentuée pour mon cap entrer. Donc est-ce que les étrangers qui étaient qu'à entrer, oui, si on passeport américain dans mes yeux, un passeport étranger dans mes yeux, c'est probable, mais c'est pas aussi facile pour quitter entrer. Mais tout est haïtien capable de sortir, mais il semble que à étranger ou pas qu'à sortir, République dominicaine peut entrer en Haïti selon Jean Yoblet. Mais pour entrer, il peut entrer, mais si on a escorté, le plus facile. Mais si il y a des autres qui ont fait déjà manifestation, comme les haïtiens protestés, de temps en temps protestés, ils voulaient venir acheter glace, par exemple, République dominicaine, les autorités ne peuvent pas venir, ou bien ils voulaient que c'est un petit groupe qui peut aller, mais c'est pas un petit groupe pour y aller. Mais ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est le constat que nous avons fait. Et puis, bon, nous quittons Santiago, nous entrons Santo Domingo. Côté ma parole avec nous là, nous sommes dans Santo Domingo, qui est la capitale de la République dominicaine. Et là, nous rencontrons avec la communauté haïtienne, non? Tout comme nous avons fait dans Santiago, tout, nous rencontrons avec businessmen haïtiens. C'est-à-dire que nous avons fait des investisseurs, ou encore des carrières et des entrepreneurs haïtiens. Nous n'avons pas rencontré à tous, mais au moins nous rencontrons avec deux là-dedans. Et qui au même te dit comment vous senti yo qui en crise a affecté yo et qui sentiment senti tout qui en que et crise affecté yo business yo pas cra marcher gens que te compte faire li gens que te souhaité li mais yo dit que bon et yo espère que bah condition va améliorer et que activité va retourner parce que puis fort monde te compte faire business avec yo c'est haïtien et qui peut-être en pile dans retourner en Haïti, il y a l'autre qui tout aller tout dans le programme Biden. Donc je dis que bon manque à gagner pour eux que la crise a vu responsable pour ça. Donc dans Santo Domingo, nous rencontrons tout avec leaders communautaires. Nous rencontrons avec deux leaders communautaires avec qui nous parler et expliquer nous qui eux-mêmes ils ont fait face à la situation et qui gens que l'affecté eux. Même là que au point de vue sécurité, ils sentent que à l'esbois ici, mais ils n'ont pas un souci que. Et Haïti, Haïtien qui Haïti a gagné, mais quand même, le fait que vous connaissez que Haïtien a souffert, ça affecte quand même, il y a une famille, etc. Mais vous dites que les décisions, par exemple, le président Dominique qui a été pris pour fermer les frontières, etc.,
et tant passeport terrestre et maritime et aérienne, il y a un impact quand même sur l'activité de parents qui sont petits, qui sont étudiants en République dominicaine, qui sont venus dans le pays, mais ils ne peuvent pas faire encore à cause que Paris moyen encore. Donc, son manque à gagner tout pour non secteur quelconque. Donc, voilà. Je dis à nous, on a Plaza Henrique. Plaza Henrique, c'est une place publique, côté monde, vient Chita, Paris Soleil, ou bien encore, ce n'est pas pour rien. Ou pas fond yo le ko chita la kala pou ko vin la ou mon ouais moun la donc là moi là et la session placée maintenant centre ville c'est avenue de Duarte bon pour moun ki connaît République dominicaine c'est avenue Duarte donc place Henri ali là donc dès de là gon paquet d'activité commerciale l'argent brassé là moun a pas acheté c'est là gen pile haïtien tout ki konn là parce que même tout yo konn vin acheter là yo konn vin acheter en gros puis aller vendre en Haïti ou bien côté que choisir à le vendre. Donc nous dans place là et c'est là n'a pas la voilà et c'est là tout que nous parle pas la voir plus tard dans journal radio sur télévision l'émission radio sur télévision VOA créole là et c'est ici à prendre ma porte et bah pour. Et pour ça concerne l'évacuation et étrangers qui étaient dans le pays là bon Nations Unies d'après notre que nous recevons officiellement et bien responsable a dit nous que yo même bon côté pas yo fin évacué personnel non essentiel était gain en Haïti yo évacué yo mené en Haïti yo mené en République dominicaine et yo prend yo et de la République dominicaine yo prend yo nous pas comme ça faire mais yo mené en République dominicaine et pendant voilà tu pouvais tout porter un petit un peu magasin et médicaments pour te prêter pour peuple là pour mon peuple capable jeune pour servir et d'après dernière annonce que Nations Unies fait il dit que peut-être il était quoi que il gagne manger pour bail population qui n'a besoin pour 2 semaines encore donc ça veut dire que dans 2 semaines encore pas un gros problème qu'on y a là donc et ça fait il t'a demandé il t'a parlé même Nations Unies même ou bien agence et qui m'ont le CEPAM programme alimentation mondiale là elle t'a demandé pour que il t'a utilisé territoire dominicain pour être capable de faire une et puis être capable de faire ça un point aérien on il t'a porté manger à venir et puis il t'a porté de République dominicaine, il a transporté dans le pays d'Haïti. Il n'y a pas semblé qu'il y ait une difficulté pour ça faire. Cependant, il a parlé avec un leader communautaire et il a dit que les Dominicains ont dit qu'il y a 2 aéroports, c'est l'aéroport Isabella, qui est l'aéroport Joaquim Balaguer, et puis il y a tout un aéroport qui est dans Barahona, donc qui est tout près d'Haïti. Il a dit 2 aéroports pour que l'opération soit faite. Et l'autorité dominicaine était aussi précis et il était voulu que justement puis était capable d'escorter camion marchandises. Alors là, je parlé avec les leaders communautaires, ça m'a dit que escorte, il dit mais il a pas besoin d'escorte militaire pour transférer et marchandises et sous territoire dominicain parce que pas rien qui va vraiment piller et piller autobus, piller machine qui a porté manger, il n'y a pas de monde qui va le faire sous bon côté dominicain. Même si il y a capable de problème, il y a du côté haïtien. Donc il dit, bon, là c'est Haïti qu'on a pour connaître, ou bien autorité haïtienne avec le représentant PAM en Haïti pour connaître qui mesure à prendre pour joindre la police nationale pour escorter. Pour escorter, pour garantir la sécurité jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination finale. Yo. Donc c'est là ça y est. Pour ça concerne les États-Unis, et bien les États-Unis, ils disent même opération par la compte parce que les États-Unis ont pile de monde pour les retirer en Haïti, mais ils ont posé des conditions. Par exemple, ils disent que si on est en Haïti, premièrement pour bénéficier ou pour participer dans le programme et programme pour retirer en Haïti mais aux États-Unis, premièrement, il faut qu'on passe pour valide. Mon ressort qui valide, ça, c'est première condition. Deuxième condition, il faut inscrire. Il faut inscrire sur 6 départements d'État pour dire que vous êtes intéressé ou besoin de retourner aux États-Unis. Troisième question, il faut que vous êtes d'accord tout pour payer frais de voyage. Là. Donc, même les gens qui amènent un crédit, et bien, lorsqu'ils sont aux États-Unis, et bien, pas de problème, laissez ça voyer bill là-bas pour retourner, mais combien de quoi vous devez. Parce que tout le monde est d'accord pour payer frais de voyage pour vous. Alors, il fait pour en avance et au même, faut payer des dépenses. Nous avons qui vient pas calculer comme là, il est capable peut-être de diviser comme et transport à coûter,
yo divisé li et puis yo bo yo divisé par participation à bord pour bientôt il y a un prix fixe que fait tout le monde payer. Donc ça c'est l'autre condition hein. Mais le programme ça oui il continue mais il s'ensemble que le commencer par exemple on vol commencer à reprendre timidement dans ville cap haïtien et autorité américain yo et ben il s'assemblé que yo utilisé République dominicaine Santo Domingo donc airport la Samaïque ça pour faire évacuation donc pour mener mon yo tourner mais hier encore nous étions dans l'aéroport mais son bail qui était difficile parce que tout bail yo information confidentielle pas gain partage qui fait yo pas de qui le avion a vini et qui le y a mené mon yo vini est-ce que c'est dans hélicoptère etc. Maintenant là mon arrivé dans l'aéroport et la Samaïque cela qui ça fait avec mon là. Est-ce que vous permettez que mon saute dehors pour la dormir et puis éventuellement de là étant lui faire arrangement pour prendre avion pour rentrer aux États-Unis. Nous pas connait parce que nous pas joindre une information ça que on a cherché. Donc nous pas connait ça mon. Ou bien est-ce que à mon avion atterri dans l'aéroport de l'Américas là et pendant mon tout en dedans et tout mettait saut pour lui et puis il traversait dans ça et on sort du transit et puis il prend l'autre avion pour l'aller. Ça veut dire qu'il faut mon capable et pas moyen ou bien encore yo que yo tout arrangement ça yo fait avec moi mais si mon ka sorti donc c'est ça regarder mais pour monde qui comme États-Unis te promettre que la commencer opération dans le nord et ben te dit que pour participer dans programme là faut venir yo pas garanti que on saute Port-au-Prince ou bien on saute Jacques Mel ou bien au Caï. Et puis, il y a une cherche au pouvoir sécurité jusqu'à ce qu'il vienne vers le nord. Il dit que responsable de sécurité ou responsable propre sécurité pour arriver côté et opération à fait là. Donc, ça qui rend un petit peu difficile. Donc, on est M. Katsamaozo, il contrôle les zones. Quelle zone nous passer dans le nord, il est très difficile pour avoir accès. Donc, pas de moyens. Et puis, en Haïti, pratiquement toutes les voies sont censées fermer, excepté que nous apprenons que. Il y a une compagnie aérienne qui a commencé à vol à partir du Cap Haïtien et vers l'Amérique du Nord. Il a semblé que c'est ça qu'a fait, mais techniquement, mais l'aéroport Port-au-Prince, jusqu'à présent, il n'est pas opérationnel et l'autorité n'a pas fait aucune annonce. Il n'y a pas de possibilité pour recommencer l'opération, mais il n'y a pas ferme sur une date pour les gens qui sont bloqués, que ce soit les gens qui deviennent faire vacances, les gens qui deviennent dans l'enterrement, les gens qui deviennent dans le mariage. Et tout le monde ça yo là il était là et yo pas compte pour qu'il est là donc monde ça c'est monde qui bloqué en Haïti. Donc voilà c'est comme ça une situation les présenter et puis pour République dominicaine si on prend l'entrée sur République dominicaine là et ben yo voulait assurer qu'on a un billet d'avion pour quitter le territoire dominicain. Donc sous ce temps Haïti on rentrer il a pas assuré qu'on a un billet d'avion en mon à voir confirmer qu'on va rentrer et puis mais je dis que on saute d'entrée dans mon parce que tu es entré déjà et bien tout simplement c'est montrer sur ta rive à la et tout c'est quoi la et bien faut montrer qu'on saute d'entrée et puis de ça on est capable de sortir et bien faut montrer tout qu'on pas prêt en République dominicaine pour que tu vois là. Voilà c'est pratiquement un petit résumé maintenant de situation et moi là et certainement j'ai l'autre information n'a pas connu un petit peu bien en pile un petit détail sur le monde nous rencontrer que ce soit ces membres de civil là que ce soit ces entrepreneurs haïtiens qui j'ai même y a regardé crise pays d'Haïti et qui j'ai même ont été quoi que ils pensaient que ça capable de solution parce qu'ils ont été quoi que possibilité pour une solution là il suffit que ils ont appliqué. Mais en attendant, bon, il peut pas dire qu'à faire le premier conseil présidentiel à sous pied, qu'on son idée qui est là, mais qui est divisée. Ce n'est pas tout secteur dans le pays qui est d'accord avec eux. Chaque monde est en pareil toujours, malgré que les pays ont avancé, plus jouent avancé, c'est plus la consolider vraiment l'avenir. Mais il y a des gens qui trouvaient que le format pas bon, il y a trop de monde là-dedans, il y a des gens qui étaient qualité de moins. Bon. On a regardé pour nous, seulement pour nous, qui résultat que le conseil ça, dit pour le bail et Michel d'autre que le gagne maintenant et gagne premier ministre là qui était de faire un conseil des ministres qui était envoyé dernièrement mais les deux font conseil des ministres et puis ensuite pour publier liste non membre et conseil là que parti politique ou société civile a été voté et bien il a pris on a arrêté dans le journal officiel le moniteur ensuite pour nommer Mounio
et les conseils ça fin monter certainement pour discuter un peu pour gagner un président conseil. Et puis à partir de là yo pral travailler entre yo kounya pour nommer un premier ministre. Et c'est le premier ministre ça nommé et de former gouvernement, c'est le ça premier ministre Ariel Henry, alors premier ministre démissionnaire Ariel Henry avec tout gouvernement lien, le ça après l'école. En attendant toute nouvelle qui parlait fait qu'on est que il t'a semblé que le premier ministre Ariel Henry toujours Porto Rico. Non. N'a pas vu pour nous, et si une nouvelle Saturn n'a pas partagé la volade. Voilà, c'est comme ça que la situation est là-bas ici. Donc, n'a pas encore plus tard. Moi, c'est Jean-Bert Philippe, depuis Parc Enriquillo, Santo Domingo, République Dominicaine. N'a pas de plus tard. Bye bye tout le monde. Demi.